Bonsoir, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir pour nous entrer à la caillou, pour nous porter une autre émission pour vous. Une émission qui a fait prévention, sensibilisation pendant la pandémie du coronavirus. Comment le bureau de l'État au niveau Jacques Mel a fonctionné pendant la période du coronavirus? Nous sommes passés dans différents bureaux de l'État. Et qui bureau est-ce? Nous passons dans DGI, bureau Kilti, ONA, OAVCT. Et bureau travail et regardez comment moun yo respecte distance sociale là et comment moun yo peut-être a travail. On nous regarde l'image là. Et nous sommes mieux que pas ça. Est-ce que t'en parler de corona? Yo dis un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veille encore, ouais. Faut laver, mais de temps en temps, pas bailler, mais pas prendre la main. Dans l'interview que nous faisons avec différents directeurs du bureau Sayo que nous sommes cités, qui c'est bureau Kilti, DGI, OAVCT, ONA, avec bureau travail, ils ont parlé nous de différentes mesures que ils ont pris en dans bureau. Par exemple, moun qui doit laver main, distance sociale, avec un peu d'autres mesures qui prennent dans bureau, qui permettent que bureau l'État yo fonctionne. Mais qui nous attire l'attention, parmi les bureaux que nous avons dit, le bureau ONA, Jacques Mel, c'est un bureau qui gagne un thermomètre que tout le monde qui a entré dans le bureau a passé le thermomètre là-dessous. On nous invite à regarder différentes interviews que nous faisons avec différents directeurs, l'un après l'autre. Nous avons un effectif qui repartit avec différents services que nous avons dans le bureau ONA Jacques Mel. Tant que ONA Femme, inspection, caisse, service social, secrétariat, services généraux, chaque assistant service, ou bien assistant chef service, et, ou bien chef service eux-mêmes, nous entendons pour nous voir comment pour nous faire un roulement. Donc, je dis à un employé venu. Demain, il n'y a pas besoin de venir. C'est un lot qui n'a pas de venir qui vient. Ça permet que nous gagnions un bureau qui n'est pas surchargé. Un bureau qui gagne autant de monde qui a une chance pour nous respecter les principes par rapport à la distance, par rapport à la quantité de monde dans la salle. Et puis, ça m'a demandé tout pour les gens dans la salle. Yo respecte les règles d'hygiène, yo, tant que porter cache-nez, distance pour rester avec moun yo, dans rentrer à wa pour gagner beau kit qui là pour on laver main yo. Wa pour tout que nous gagnons thermomètre tout pour vérifier température moun yo. Donc tout ça facilite un peu que nous capables nous capables de contrôler si la température a monté ou bien si la température est normale. Bon, la terre, je vous dis à tous nos petits villages et que nous tous nous rapprochons de plus en plus, soit à partir de Internet, donc l'information n'est pas cachée pour personne, nous tous nous connaissons ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, si on arrive pour arriver à Haïti, c'est chance pas nous, il faut qu'on fait dégâts que l'a fait l'autre côté.
Mais nous trouvons que soit premièrement nous très chanceux, ou bien tout simplement, précaution que nous prenons, vu que nous avons plus d'informations que l'autre côté, parce que nous-mêmes, ça fait longtemps que la parole a parlé, donc nous sommes avec le temps, nous venons tellement habitués, et que aujourd'hui, nous prenons plus de précautions. Tout haïtien a lavé les mains, tout le monde respecte une série de distances. Nous peut-être avons quelques inquiétudes pour côté qui a un gros rassemblement, côté moun yo pile sous pile, dans le marché. Bon, l'école n'a pas fonctionné pour qu'on y a, l'église. Donc nous pensons qu'il y a assez de précautions qui prend, qui est capable d'épargner nous de ça tout le monde a redouté. Ça que tu as pu qu'il y a assez. Bon, nous pensons que ça n'a pas aucun problème. Donc je sais par rapport au niveau de différents services. Donc si un service c'est qu'on gagne 6 personnes là-dedans. Donc 6 personnes là nous fait le fond tour. OK, nous fait un monde venir par jour. Donc qui permettent que chaque jour que tout le monde vienne. Mais sauf que au niveau service conciliation qui c'est un service qui gon fragilité là-dedans parce que leur fait en conciliation donc il pas recommandé à ce que qu'on seul monde faire recommandation. Nous fait 2 monde venir par jour. Donc si c'est pour question ça ne va pas avoir un problème du tout et nous respecter tout principe. Est-ce que distance sociale là est respectée dans le bureau? Oui, donc c'est dans l'esprit ça même qui fait que nous faisons la rotation hein, parce que tant que j'aime se dire on a service nous va besoin un paquet mon dernier. Donc de telle sorte que pour mon pape chita pour distance ça pas respecté. Donc c'est ça qui fait que nous utilisons le principe rotation. Hein. Bon, on a constaté donc même en rentrant de côté où il y a un bouquet de yoa et avec savon qui permettent que avant mon entrée dans le bureau là mené donc nous même ou même là m'a demandé de respecter distance sociale là donc parce que pas gain de grain là dedans donc c'est vraiment gars c'est une question de vie et de mort. Bon, moi même message que m'a lancé c'est il y a une série de monde qui jusqu'à présent qui dit corona pas existé, corona pas existé. Donc me trouver que c'est une aberration et ceci des monde qui a visé donc ça fait mal donc mon dans la fait télévision elle l'a fait réseaux sociaux donc li wè tout bagaille donc juste pour au lieu que on rentre dans bataille là au lieu que on rentre dans mode de sensibilisation hein, donc juste ou pas capable ou même donc juste qui censé plus avisé dans question hein, donc pour dire qu'il pas existé donc ou pas capable jouer avec vous et surtout que on connaît que nous sommes un pays qui est très vulnérable parce que nous finit pas déterminer l'homme en général vulnérable. Parce que par rapport à ça, nous sommes là. Donc des pays avancés, des pays qui évoluent. Donc pour qui ça corona vers eux. Donc ce n'est pas nous même dans le niveau que nous y sommes. Donc si nous ne prenons pas précaution, nous sommes victimes en pile. C'est ça qui fait que moi, je souhaite que le peuple comprenne la réalité. Et comprenne la réalité du pays. Donc si on demande donc juste pour respecter les principes, donc, il faut que vous respectez. Sous demande gouvernement et sous demande tout direction générale au AVCTA qui vient si vous voulez pour appliquer ensemble de décisions ou du moins politique gouvernement rivé sous direction que même m'a dirigé et décision était claire à ce que non observer à la lettre ensemble de décisions que l'autorité dans le pays a et prend surtout dans le cadre COVID-19 là dans l'idée pour empêcher une propagation massive de virus ça et qui fait parler de lui en pile et que nous connaissons qui fait en pile dégâts à travers le monde. Et comme nous avons lorsque nous avons passé l'après, parce que dans chaque bureau, il y a une liste et de rotation qui fait qu'on est à chaque employé qui joue, il y a bien pour que il travaille. Question pour capable permettre que le principe de distanciation le respecte comme ça a été défini par, si vous voulez, les autorités et gouvernementales. Ou du moins, ça a été défini par et
Jean ça a été défini par autorité et sanitaire. Yo. OK? Donc, c'est un principe de 1,50 m, c'est ça? Donc, nous respectons et si nous passons dans la saisie, nous avons dans la saisie, nous seulement gagnons un monde qui a fait saisie et un monde qui a fait check, comme si pour travailler sur validation et lorsque vous faites saisie sur pré-police. Et dans la caisse, nous avons un seul monde et dans le transfert, nous avons un seul monde. Dans l'expertise, nous avons un seul inspecteur avec deux aides d'inspecteurs pour que nous soyons capables de respecter le principe de distanciation. Et bon, dans l'archive, toujours même bagaille là. Et nous avons même sécurité à qui distanciation. Et dans l'entrée au AVCTA, nous avons que nous mettons un beau kit et qui a de l'eau chlorée avec savon lavé. Pour permettre que et assurer que chaque gens qui a rentré dans l'espace là est déjà lavé main pour et permettre que nous avons idée déjà de ensemble de protection qui est capable de porter pour tête par yo pour bureau et pour chaque gens qui a bien chance rencontrer. Eh bien immédiatement après que président en étroite collaboration avec le premier ministre là il était et fait sortir communiqué qui m'a dit pour tout le monde entrer dans le confinement et puis te gagner à faire découvrir feu à tout même là il pas concerné nous parce que nous même nous c'est la journée de fonctionner donc et nous même nous te gagner intention et fonctionner avec un effectif réduit. Mais sans tarder, il y a un cadre de ministère qui a atterri les moins et puis il dit moins. Et encourager et employer, respecter toutes consignes. Et yo même tout, si vous avez un proche, et véhiculer les messages pour nous capables d'enregistrer moins de cas. Donc vous avez demandé moins pour moi. Fonctionner à un effectif réduit, nous pas besoin, tout employé n'a pas besoin de venir. Et depuis lors, nous sommes capables de constater que là, nous avons fonctionné à un effectif réduit. Et nous avons pris toutes mes mesures, mes d'hygiène, nous mettons un bouquet de l'eau là. Et côté, quel que soit le monde qui a entré dans le bureau. Donc, pour le premier sac que vous devez faire, c'est laver les mains, donc nous croyons que les principes sont respectés. Okay? Donc nous faisons une sorte de rotation ici, à côté en tout employeur, comme dit, pas besoin de travail, pour nous capables de protéger tête nous, parce que nous avons besoin d'employer tout. Bon, je dis tout le monde, pas quitter l'autre monde qui a véhiculé mauvais message, qui a fait intoxication, qui a dit. Et maladie a pas existé, maladie a existé vraiment. Donc étant que vous devez prendre pile précaution. Puis go ouais moun ça ou dit moun ça c'est un moun a fait bon son moun et c'est-à-dire et appartenance sociale et toute bagaille et moyen économique pour garder pour juger sur apparence pour penser que moun ça pas capable gagner. Et là pour pas faire erreur. Donc n'importe monde ka gagne parce que et maladie a li pa konn ni riche ni pauvre, c'est comme si tant que j'en a parlé de carnaval là dans carnaval et c'est toute couche sociale là qui mélangé. Donc là n'importe monde capable prendre. Donc Pigore tout dit que moun sa mwen doit approcher bon côté li parce que moun sa pa ka gagne pa ki ba comme ça parce que marin go voler ou pa konn sak bal sak femelle. Donc c'est ou même qui pou très prudent, c'est ou même tout autant que ou respecter et distance sociale que yo exige là
Donc c'est tout autant que on va protéger tête, on va protéger en pile l'autre monde tout pour pandémie hein, pas faire plus de dégâts pour le pas étant ni beaucoup plus. Donc et ça m'a dit mon yo tout, c'est pour mon yo encore pas attendre mon cap dit maladie a pas existé. Yo mando pour mettre et masda, mettez masda parce que masda a protégé même les liens n'est pas protégé à 100% mais mettez parce que tout autant que vous mettez là. Donc c'est tout autant que vous protégez tête et pour protéger l'autre monde qui est capable en face ou qui est capable de gagner et virus là. Donc il y a des gens qui ont un virus pour manifester sous lui. Et pas parce que vous n'avez pas toussé pour connaître qu'il n'a pas gagné, il y a des gens. Et puis vous même comme dit, c'est vous qui êtes victime. Donc on croit que respecter le principe d'hygiène, et puis tout ça et autorité au mandé nous pour nous faire, on va dire que c'est dans l'intérêt de nous. Je ne crois pas que vous pouvez aider nos bagailles pour induire nous en erreur. Donc on croit que tout ça y a dit nous pour nous faire. Respecter et puis couper nous et donc je crois que c'est ça me t'a conseillé les fini pas arrêter pour prendre médicament sans que c'est pas un médecin qui prescrit parce que tout le monde a bay médicament tout le monde veut chercher visibilité pour être dire que yo te fait son mais pas prendre ça c'est le un médecin qui a une compétence pour ça, qui a l'étudier pour ça, d'où il doit prendre tel médicament pour prendre. Mais on même pas accepté faire ça. Et Mabdou, en passant que depuis la nouvelle été annoncée, et que le coronavirus la lit en Haïti, et que le gouvernement prend des mesures, eh bien nous-mêmes, nous n'avons pas de l'autre bagage pour nous faire que plier à la recommandation que nous avons. Et au niveau de la Direction générale des impôts, il y a des rencontres au sommet qui étaient faites pour comment nous sommes capables d'essayer de faire un système de rotation qui permette que nous éviter attroupement, éviter encombrement et trop d'employés, même au niveau du bureau. Et c'est ça qu'on va vivre là, je veux dire, on a remarqué, l'on paraît dans la direction départementale là, on paraît affluence de monde, on paraît en pile employé. Donc son système de rotation, nous faisons hebdomadairement. Chaque semaine, il y a un groupe qui travaille. Un groupe qui travaille semaine ça, un groupe qui est la caillou. L'autre groupe qui travaille semaine ça, semaine prochaine, la vie travaille, l'autre groupe est la caillou. Donc nous faisons au niveau de services qui gagnent et des personnels beaucoup plus pléthoriques. Côté qui ont pile employé au cas coincé. Nous faisons particulièrement au niveau de service d'assiette et de liquidation d'impôts et au niveau du service des opérations foncières et domaniales parce que c'est là qui est plus employé. Donc pour nous capables de respecter la distance sociale que l'État mandé, eh bien nous faisons en fait rotation ça au niveau des services qui permettent que nous nous joignions beaucoup plus d'espace pour respecter la distance là. Et pour les employés qui ont entré en dans le bureau, eh bien, nous exigeons que l'employé avant l'entrée, faut qu'il lave. Vous avez remarqué au niveau de l'entrée dans la barrière principale là, il y a deux beaux kits qui sont disponibles pour ça. Nous mettons chlore, nous mettons savon, nous mettons d'eau disponible pour mon bureau. Et pour les contribuables et pour les employés, c'est obligatoire, c'est exigible. Au niveau de parking, nous mettons deux beaux kits également parce que la majorité employés passent dans le parking, dans le véhicule. Eh bien, automatiquement, arrivé premier bagage vous fait. Et mais on peut laver. Nous assurer nous que mais on les lave pour entrer là. Et des employés qui plus travaillent dans le domaine de l'argent, mon cap recevoir l'argent, les receveurs de fonds, nous bail au gant eux-mêmes. Donc il est obligatoire pour au gant pendant à recevoir corps blanc pendant journée au gant dans eux. Et pour les contribuables idem. Avant contribuable entrer, nous exiger que ou laver moi. Et qu'on a nous-mêmes commencé à exiger pour que vous ayez un cache-nez parce que nous remarquons que même l'État n'a pas encore en mesure pour distribuer cache-nez à la population, mais il y a des entreprises, pas bon ici, il y a des tailleurs, il y a des couturiers intelligemment qui sont capables de faire servir ça. Donc vous avez remarqué, mais même petit cache-nez pas maintenant, son petit cache-nez. Local. Vous comprenez? Artisanal. Donc nous commençons à exiger Mounio pour porter cache-nez. Employé idem pour porter cache-nez normalement.
Alors, sauf que nous comprenons pour cacher, il y a des fois où on met cacher, il y a des fois où on ne doit pas mettre. Ça va dépendre. Par exemple, moi-même, si je passe une journée là, en dans carrière là, je n'ai pas de monde m'a recevoir avec une affluence de monde m'a recevoir. Par exemple, Protochita, donc distance à les respecter. Donc, je suis obligé d'utiliser cache. Mais automatiquement, on monde pour rencontrer un contribuable, etc., nous exigeons pour parler avec un contribuable, il faudrait que vous ayez cache. Depuis qu'il y a deux, trois mondes à côté, il faut que vous ayez cache, etc. Donc, c'est le même principe. Et l'appliquer, j'en l'applique à tous les niveaux nous-mêmes, et même principe autour, on a pu appliquer. Et Mabdou, coronavirus là, il y a un impact tout sur l'économie. Et nous capables, dans le premier temps, nous n'avons pas même affluence de monde qui te fréquenter nous quotidiennement. Là. Mais nous prenons des mesures tout, dans la mesure où nous avons des monde qui fréquenter, il faut nous respecter le principe. Par exemple, nous, au niveau de l'assiette qui qu'on recevra plus de monde, nous baillons un nombre de monde que nous allons recevoir en même temps. Ouais, par exemple, dans l'arrêté présidentiel, il dit que il y a des espaces qui ne doivent pas plus que 10 monde. Nous-mêmes, nous allons nous garder l'espace. Nous gardons combien d'espaces nous recevons de monde. Eh bien, dans chaque espace que nous allons recevoir de monde, nous recevons pas 4. Pas 4. Et nous avons distance nous demander pour le respecter. Et après, au fur et à mesure, toujours les gens qui font va et vient, qui demandent des gens pour prendre distance là. Si vous remarquez que nous n'avons pas pris distance, on demande. Parce que là, nous faisons, nous ne faisons pas seulement. Parce que il y a des mesures qui prennent, il y a des gens qui pensent et nous avons nuit. Il y a des gens qui pour bien comprendre qui ça pandémie. Ils attendent. Il y a tant la publicité, même pas le dos. Enseignement, c'est un bagage qui à la fois théorique et pratique. Ça, on a attendu avec ça, l'a pas appliqué à des bagages différents. Et des fois, plutôt le pas attendu ou te fait l'appliquer. Parce que c'est plus facile pour le tendre le pas appliquer que l'y appliquer le pas attendu. Si on dit mon par exemple, et ma pensée par exemple. Ou ti moun nan a telle zone son zone dangereuse li. On dit ça. Li konnen l pa pase. Li konnen l pa pase dans zone nan n'importe là parce que zone ça son zone là. Donc li facile là pour l'appliquer parce que est comme si baga la visible. Alors que pa wan rien vrai et d'où dit zone. Ou dit le coronavirus là c'est yon maladie le moun parler tout près ou bien moun esténué. Nous avons tous et tout près, on est capable de transmettre tout. Le fait que lui-même, l'hypoco, ouais, ça fait bon la caille. L'hypoco, ouais, le fait dans la famille, c'est comme si, et dans le vide, on parle. Comme si rien n'était, on prêchait dans le désert. Kounia, mais nous pas qu'à attendre, c'est le bon cas. Et là, ça, tout le monde prend précaution. Parce que automatiquement, il y a un cas par rapport à Jean, virus sans propager. Là, il y a un cas, on met multiplié par 10. Parce que là où il y a eu 9 cas par an, par rapport à Jean Propagia. Donc voilà pourquoi nous-mêmes nous strictes pour que nous demandions de prendre précaution. Et ça, le plus important pour nous, c'est l'application. À nous tient à ce que nous avons vraiment, depuis l'arrivée là, l'appliquer, ça demande là. Et nous très strict sur ça. Merci à chaque monde qui t'a gardé nous. Et son plaisir pour nous toujours porter émission ça, la caille. Nous faisons émission ça, c'est dans le cadre de sensibilisation, prévention, que nous-mêmes n'avons essayé de faire à la population. Quitte nous remercier toute équipe J.J. Marketing. Quitte nous remercier toute équipe Radio Télé Sud-Estar qui a nous espace pour nous faire émission ça. Et nous disons, quitte nous dire que J.J. Marketing avec Ivy Media nous mettons tête nous ensemble chaque semaine pour nous porter prévention et sensibilisation pour vous pendant la période coronavirus. Nous disons toujours aller like par ça. Qui fait sur différents réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, Ivy Media Haïti. Écris-nous dans Ivy Media Haïti à commercial@gmail.com, 41 00 64 64 37 14 67 12. Non pas M. Emerson Villebon, bon, c'est que nous avons croisé pour une autre fois.
t'entendais parler de corona.